J'accepte de te faire ridiculiser par le petit Morin. T'es con. Ben oui, mais il est loin d'être tout seul à penser comme ça. Ah. J'ai vu ses dernières cotes d'écoute. Ça augmente, hein? Ah oui, le crache le morceau. Où tu veux en venir? Tu devrais inviter Morin à ton émission pour finir la semaine islamique en beauté. Mais t'es malade. Je veux pas lui donner plus de visibilité qu'il y en a déjà. Ce serait bon pour tes cotes d'écoute. Vas-y. C'est une excellente idée, Alexis. Oui, oui, oui. Tu vas être en retard. Oui, je sais, tu as raison. Voilà, je dis l'eau comme si Noël n'existait plus. Elle est toujours votre fille, elle est quand même ma sœur. C'est elle qui nous a abandonnés. Non. Je n'aurais jamais dû vous écouter. Et l'envoyer quand même là-bas chez mon frère terminer ses études. Et nous, est-ce que nous respectons leurs croyances? Allô? Oui, c'est moi. C'est Nawal? C'est Antonia. Oui? Oui. Oui, mais pourquoi toi? Mais je le porte, le hijab, et pourtant je suis pas une intégriste. Oui, mais... Mais c'est ça qu'Antonia veut montrer à son émission. Oh, elle a déjà fait une émission sur le monde arabe, ça suffit. Mais si on arrivait à enlever quelques préjugés que les gens ont, ça aiderait toute la communauté. Et puis si par bonheur on retrouvait Nawal... Ce qui se passe dans ma maison doit rester dans ma maison. Papa, la photo de Nawal circule déjà partout, et c'est pas pour ça qu'Antonia m'invite, je te le répète. Tu t'attaques à un mur trop haut pour toi, Leïla. Fais-moi confiance, s'il te plaît. Chaque fois que les journalistes ont eu l'occasion et la chance de nous faire mal paraître, crois mon expérience. Elle était complètement désespérée. Perdre sa virginité, ça a des conséquences terribles, Jasmine. Ça veut dire ne plus pouvoir se marier dans l'islam, d'élever ses enfants dans l'islam. Justement, ta sœur rejette l'islam. Non, c'est pas vrai, ça. Nawal a le sentiment d'avoir été salie, d'avoir trahi la confiance de mon père. Elle veut se punir, Jasmine. C'est très grave. Mais en fait, vous êtes plus à plaindre que moi. Hein. Mais oui, les jeunes ici, ils ont plus d'encadrement. Ils sont complètement livrés à eux-mêmes pour tout décider, tout choisir. C'en est terrifiant. Au contraire, moi, je trouve cette liberté-là très stimulante. Ouais. Mais tout le monde n'a pas ta force et ton caractère pour bien en profiter. Ils peuvent l'apprendre. Et à quel prix? Bonne journée. Bye, Leïla. Bonne journée. Les gars sont retournés encore une fois chez son petit ami. Ils ont fouillé la maison au complet. Son signalement circule partout. Qu'est-ce qu'elle pense qu'on peut faire de plus? La trouver, Tony. Si on la retrouve, je suis pas sûr que c'est une bonne idée de la ramener chez elle. Elle va manger encore une folie. Non, mais attends. Si je comprends bien, là, on est tellement beau, bon pis fin qu'ici... Il n'y en a pas qui battent leurs enfants, je suppose. T'aurais dû entendre Morin planter ta chum Antonia matin à radio. Elle et ses amis musulmans. Des fois, il a raison. Hein? S'ils viennent ici, ils devraient vivre comme nous autres matin. T'as reçu ça du bureau de Louis Dera? Ah bon? Ah bon? On se place les pieds. Tu me diras comment ils baissent. Ils m'intéressent. Il n'y a pas de... Penses-tu que ça avait pas été plugué d'en haut? Il aurait accepté ça dans le service. Garde-moi bien aller. Pas de brigade rose, là. C'est juste une invitation. Au! Recommence plus jamais ça! Prends, t'es Chris, c'est malade! Lâche-moi! Ah! Le sens de l'humour, ça fait pas partie de ta culture. Le sens de l'humour, oui. L'harcèlement sexuel, non.
C'est quoi votre problème à vous deux? Toi? Bon, viens, mon boubou. Maman va béquer Bobo. Jasmine, c'est Corinne. Allô? Ça peut nous dire que t'es rentré dans une porte. Fais-moi pas rire. Ça fait mal. J'espère que tu vas faire ce que tu prêches toujours. Quoi? Porter plainte. Puis pas laisser ton chum s'en tirer une main. Ah non. Rémi m'a pas battu. C'est encore engueulé. J'étais tellement enragée contre lui, là, que je l'ai giflé. Je t'ai pas tombé dans les escaliers, là. Je pense que je serais encore en train de le frapper. Moi, ça se fait qu'il faut tout le temps que je me retrouve avec des hommes qui veulent me contrôler. Je suis pas une sorcière. Je suis seulement en train de lui faire un balayage énergétique. Laura? Savez-vous qu'est-ce que c'est? Oui, mais je me souviens plus trop, c'est quoi? C'est une couche d'énergie lumineuse qui entoure notre corps. Je la balance en même temps que je te donne de l'énergie. Ferme tes yeux. Dis-moi sur quel organe je travaille. Pourquoi? Parce que c'est chaud. Je suis désolée, je vois rien. Peut-être plus tard. C'est pas grave, au moins j'aurais essayé. Jennifer? Mmh. Mais attends, moi, je te montrerai une photo. Oh, c'est pas la cour au miracle. Ah, tu es mon okay. OK, OK, tu vas voir. Carmen. Antonia. On va voir. Non, c'est ça. Non. C'est pas long pour toi. C'est un ancien militaire. Il va t'écraser. C'est vrai? Il va te faire très mal. Non, vraiment, il est un être maléfique. Restez le plus loin de lui possible. Il est très beau. On a l'intention de passer de 23 super postes à 50 petits postes de quartier. Je trouve ça très bien. Mais tu sais que ben les policiers qui prennent mal de pas pouvoir être mutés ailleurs aussi facilement qu'avant. Ouais, je sais. Mais pour moi, tu vois, c'est important que les policiers apprennent à connaître tous les gens de leur quartier, même idéalement qu'ils y résident. Mais là, je me fais pas d'illusions non plus, hein. On peut pas passer comme ça de la répression à la prévention du jour au lendemain. Je le sais. Faut pas non plus penser qu'on va venir à bout de la répression. D'après moi, c'est nécessaire. Mais dans la majorité des cas, il y aurait moyen d'éviter des crimes graves si la police avait une attitude plus préventive, disons. Pour moi, tu vois, un policier, c'est comme un médecin. Il soigne le mal une fois qu'il est fait, au lieu de s'attaquer à la source du mal puis de faire de la prévention comme ça. En tout cas, je suis très content que tu acceptes de nous aider à recruter des gens des minorités visibles. C'est essentiel pour tout le monde, ça. C'est important, tu peux compter sur moi. Pas fatigué de m'écouter? Ça fait 2 heures que je parle sans arrêt. Parle toujours de ton métier avec autant de passion. C'est ma vie. Pauvre femme? Ah non, je suis encore célibataire. J'ai jamais osé demander une femme en mariage, elle serait beaucoup trop à plaindre, la pauvre. Es-tu sûr de ça? C'est une bonne
proposition, tu sais. Jamais on serait deux à plaindre parce que moi aussi, je parle juste de mon travail. Vous avez juste parlé d'histoire de flic. C'est pour ça qu'on lunch ensemble. Oh, mais Jasmine, ma chérie, quand est-ce que tu vas apprendre à oublier ta job deux minutes? Tu dînes avec un super beau gars sur une terrasse, puis t'en profites même pas pour te caser les pieds. Hey, c'est pas toi qui m'as dit qu'il fallait que je te laisse son côté personnel? Elle m'a dit ça. Oui, puis tu devrais la remercier. C'est vrai ça? T'as raison. Merci beaucoup, Jasmine. Je compte sur moi. Moi, je vais lui donner rendez-vous. Au ciel, à côté de moi, du Bouddha. Tu vas t'en mordre les doigts, puis ça sera tant pis pour toi. Oh, il va payer pour toi. Bonjour, Ella. Ça va? Oui, bien. Je te présente le hein? Ça va bien aller. Alors, la semaine islamique se termine demain sans peut-être avoir obtenu les résultats escomptés. Par exemple, comment expliquer la réaction hostile d'une bonne partie de la population face à l'implantation d'écoles coraniques subventionnées par l'État? Je pense que quand on essaie d'implanter ici une autre religion qui, comme le catholicisme, est rétrograde, une religion qui relève du fanatisme du Moyen Âge... Monsieur Morin, êtes-vous déjà entré dans une mosquée? Ou avez-vous déjà lu le Coran? Non. Eh bien, quand on ne sait pas ce dont on parle, on se tait. Ce n'est pas l'islam qui relègue la femme à un statut inférieur, mais bel et bien l'interprétation que les hommes donnent de cette religion. Afin de justifier leurs besoins maladifs, d'asservir et de dominer les femmes. En fait, ils sont comme vous, mal informés. Mais je comprends qu'il soit bien difficile pour un jeune occidental comme vous de percer l'âme musulmane. Même un pauvre occidental comme moi peut comprendre toutes les guerres causées par le fanatisme de l'islam. Écoutez... Rien qu'aux États-Unis, il y a une augmentation de 300% de conversion à l'islam. Et ce, depuis les 10 dernières années. Alors, oseriez-vous prétendre que tous ces nouveaux musulmans sont des fanatiques? Et cette progression de l'islam, c'est un phénomène social. Parce qu'elle redonne une fierté. Et une existence à bon nombre de pays pauvres et humiliés par l'Occident et depuis trop longtemps. Vous avez détourné ma question. Je vais essayer d'être plus clair. Pourquoi y a-t-il tant de fanatiques, pour ne pas dire d'intégristes violents chez les musulmans? Mais c'est vous, les médias, qui donnez cette image négative et de plus fausse de ce que nous sommes. Mais oui, parce que vous ne signalez que les actes de terrorisme commis par une minorité. C'est pourquoi je comprends les gens nous percevoir ainsi. Les intégristes, c'est les médias qui les ont inventés. Les intégristes sont des fanatiques, des extrémistes, comme il en existe partout. Évidemment, les messages qu'ils véhiculent, ce sont des messages de haine et d'intolérance, qui sont contraires même à la parole d'Allah et de l'islam, qui, eux, ont un message d'amour et de respect à transmettre. Si vous êtes venu vous installer ici, si vous avez choisi le Québec comme terre d'accueil, c'est parce que vous n'étiez pas bien chez vous. Alors, pourquoi vous essayez pas de vous intégrer à notre société? Mais pourquoi voulez-vous m'imposer d'être comme vous? Pourquoi avez-vous si peur de la différence, du plus que je peux vous apporter? Si votre plus est si magnifique, pourquoi votre petite sœur est-elle en fugue? Et qui vous dit qu'elle soit actuellement plus heureuse chez vous, pour vous retourner l'expression? Chez mon père, je ne veux plus le voir. Nawal, dis pas ça. Les policiers t'ont trouvé sur le bord du fleuve, ils pensaient que t'étais morte. De toute façon, personne veut de moi. Je veux mourir. Hé, hey, regarde-moi. Va-t'en! Il n'y a plus personne qui veut de moi. Je veux mourir, que je te dis! Je veux pas, je suis pas capable. Tu veux mourir? Qu'est-ce que tu préfères? Une balle dans la tête? Une injection?
C'est pas ça que je veux. Je veux être bien. Je veux être bien. On vous la laisser tranquille, Jasmine. J'ai patrouillé avec elle, moi, puis elle fait une très bonne job. Je veux bien. Mais à force de s'occuper juste d'ethnie, elle va finir par nous tourner contre eux autres. Elle s'occupe pas juste des ethnies, mais c'est juste ça que vous voulez voir. Faut bien qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe des ethnies si on veut les intégrer à nous, hein? On s'occupe tellement d'eux autres que tout le vrai monde est en train de s'apercevoir qu'ils passent en deuxième, après les étrangers. Il est temps qu'on se réveille. C'était pas de ces politiques-là, faire longtemps que Jasmine aurait éclairé à la place ou qu'elle serait rentrée dans les rangs. Hey, vous êtes pas fier. Bon, viens temps qu'on ait fait notre vrai job de police. Jasmine devrait prendre modèle sur toi. Il n'y aurait plus de problème nulle part. Pas la fille. Non, non et non. Elle est pas enceinte, elle a pas été attaquée puis elle a pas d'MTS. Oui, mais c'est une musulmane. Elle laisse faire l'islam. La seule chose que je comprends, c'est que la petite, elle veut pas retourner chez elle. Puis dans ce cas-là, j'ai pas le choix. Il faut la confier à la DPJ. La DPJ? Oui. Non, vous pouvez pas faire ça. Si vous faites ça, là, ça va briser cette famille-là pour toujours. La DPJ, c'est quelque chose d'inacceptable pour M. Aboukarim. Il va renier sa fille, pas le besoin de sa famille. Donnez-moi donc une semaine, une courte journée. Non, pensez même pas. Hey, s'il fallait qu'il arrive quelque chose pendant ce temps-là, on serait responsable. J'ai pas. Être responsable, c'est me donner une chance. Oublie ça. Oublie ça. Je te demande pas de le faire pour moi, mais pour la petite. Même si j'en parlais à Vincelette, penses-tu qu'il m'écouterait? Toi, tu devrais l'empêcher de mettre son nez au bas d'affaires. Mais dans le cas de Nawal, Jasmine a raison. C'est peut-être triste, mais t'as pas le choix. Papa, s'il te plaît, Nawal sort de l'hôpital demain matin. Je veux pas qu'elle soit transférée à la DPJ. Je t'aiderai pas à te mettre les pieds dans les plats. Musulman ou non, Aboukarim va devoir vivre avec nos lois. Désolé. Il nous reste juste une solution. Laquelle? Louis Desroches. Non. Non. Je peux pas lui demander ça. Oublie ça. Non. Il n'y a pas question. Non. Est-ce que tu es consciente des conséquences possibles du service que tu me demandes? C'est à Nawal que je pense. Si on fait rien, ça peut être dramatique pour elle. Mais si jamais j'arrive à convaincre Vincelette, il t'aura pas en odeur de sainteté, ça c'est sûr. Oh ben, je peux rentrer dans la police et me faire aimer de mes supérieurs. Est-ce que tu me mets dans le même clan? OK, OK. T'es pas obligé de répondre. Je vais voir ce que je peux faire avec Vincelette, mais je te promets rien. Merci. Pas de quoi. Oui. Oui, je comprends très bien, M. Desroches, sauf que... Oui, d'accord. Oui, d'accord. Très bien. Joseph, tu mets le dossier de la petite Nawal Aboukarim sur la glace pour 3 jours. Je suis sûr que Louis Desroches est rapport là-dedans. Il est allé le têter. T'es jalouse ou... Hey, niaise-moi pas trop, OK? Desroches, c'est un gars dangereux. La police de quartier, ça vient de lui, ça. Tout ce qu'il cherche à faire avec ça, c'est de me transformer en moumoune. Ouvrez-vous les yeux. Restant dans le dossier de la petite Aboukarim. Faut tout savoir si on veut aider. OK. Aider. C'est quoi la liberté dans votre monde? C'est d'accepter qu'une jeune fille puisse être enceinte? Qu'elle se drogue? Qu'elle soit même violée? Non.
Les enfants ont besoin d'être encadrés, même contre leur gré. La meilleure façon de protéger Nawal, c'est qu'elle se sente bien chez vous. Et ça, c'est votre responsabilité. Vous avez deux filles intelligentes, absolument magnifiques. Arrangez-vous pas pour en perdre une. Vous le savez, monsieur Aboukarim, j'ai juste un mot à dire et Nawal se retrouve dans les bureaux de la DPJ. On va vous l'enlever pour la placer dans une famille d'accueil. C'est du chantage! Non, monsieur, c'est pas du chantage, c'est la réalité. Mais je considère que si vous avez accepté de me rencontrer, c'est que vous savez, comme moi, qu'il faut pas en arriver là. Nawal a envie de retourner chez vous, mais faut arrêter de la forcer à adopter vos convictions. C'est à elle de choisir. Et le meilleur moyen de la convaincre, c'est en lui donnant l'exemple. Nawal donne moins que ça. Regardez-la au moins. D'accord. J'accepte de la reprendre. Mais une condition. Elle devra passer un test de virginité. Et si elle est vierge comme elle l'affirme, elle pourra revenir à la maison. Je l'emmènerai moi-même passer ce test chez une femme médecin musulmane. Comme vous voulez. Mon père m'a chargé de l'y amener. Mais je peux pas. J'ai besoin de votre aide. Tabarnak! Ils vont pas recommencer ça ici! Non, 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 non et non! Et j'ai le nom de la femme médecin musulmane. La seule solution, là, c'est de trouver une petite arabe qui serait vierge puis qui prendrait la carte d'assurance maladie de Nawal. Mais quoi? Ça s'est déjà fait? Voyons donc, il y a sa photo dessus. Mais j'en connais une petite arabe qui ressemble à Nawal. Et puis elle est sûrement vierge. Tu irais avec elle? S'il le faut, oui. Nawal Aboukarim, s'il vous plaît. Bonjour, je peux avoir votre carte, s'il vous plaît. C'est pas toi, c'est moi. Tu sais, ça a jamais vraiment marché avec personne, mes histoires. Puis je suis peut-être pas prête à m'engager. Donc je vais attendre que t'es prêt. T'es trop fin. Ça cache quelque chose. C'est louche. Je vais te donner le plaisir de le découvrir. Ah oui? Oui. D'amour avec des Québécoises puis des Arabes, ça marche jamais. Ça nous donne plus de raison de les faire tout mentir.
C'est ma contribution à la semaine islamique. Merci. Je t'aime, Corinne. Un arabe qui dit à une femme « je t'aime », je croyais que ça arrivait jamais. T'as raison. Mais je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Salut, Tony. À ta place, je me tiendrai tranquille quelques jours. Le temps que Vincelet se calme. C'est toujours un paquet de troubles de flirter avec un haut gradé, tu sais. Je suis pas en amour avec Louis Desroches. Tu montreras pas un vieux singe comment faire la grimace, hein? Jasmine! Tu es déjà pour toi ici. Salut. Qu'est-ce que vous faites ici? Fatima veut aller chez Abou Karim avec elle. Pourquoi? Je peux pas le laisser s'en tirer de même. J'ai deux mots à lui dire. Ça risque de tout gâcher. Elle a raison. Nawal a son certificat de virginité. Tout est réglé. Je vois pas où est le problème. Bon. Corinne, vous allez me changer, là. Attendez-moi, je reviens. Est-ce qu'a fait la DPJ dans ce dossier-là? Ouais. Mais t'as entendu? Un certificat de virginité pour la petite. Puis elle l'est pas. Je l'ai vu dans son dossier. Leur cousin? Ah, ben, c'est un faux. Vous l'avez enfin eu, le certificat. Ça n'a pas été trop difficile? Non. Je peux le voir? Pourquoi? Si jamais je tombe sur un cas semblable. De quoi tu joues, là? Confie à moi pour que personne d'autre le sache. Je dois lui parler. Là, préfères-tu que je rentre? Ah non, non, viens. Jamais je n'aurais cru que vous puissiez infliger une telle humiliation à votre fille. C'est vraiment monstrueux. Classe, classe. Je n'ai pas de leçon à recevoir. Une femme insolente et corrompue. Parce que je prends la parole, je suis insolente. Parce que je veux parler d'égal à égal, je suis corrompue. Non, non, non. Elles vont essayer d'entendre ce que j'ai à dire. Tous les efforts que j'ai dû faire pour m'affirmer, pour... prendre la parole, c'est pas d'insolence qui a été Abou Karim. C'est un droit, une responsabilité. Vous voulez que Nawal se soumette à votre volonté? Qu'elle baisse la tête devant tous les hommes? Et jusqu'où devra-t-elle aller pour mériter votre respect et un peu d'amour? Si vous, son propre père, vous la méprisez, vous l'écrasez, vous la réduisez au silence, qui lui donnera sa place? Qui? Si vous voulez une fille soumise, désarmée, dépossédée de son corps, de ses émotions, vous n'aviez qu'à rester chez vous! Arrêtez de mépriser ce pays qui nous a accueillis. Marcelin! Jamais, Carlis!
Salut. Salut, Lingpo. Allô? Leila? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont venus m'attendre ce matin à la sortie de chez moi. Non, mon père, c'est rien. Non. Laisse-moi un numéro, je peux te rejoindre. Oui. On a vérifié au bureau du médecin. On est allé interroger Leila Aboukarim. Elle nous a tout avoué, même le nom de la petite Baroudi qui a pris la place de Nawal Aboukarim. Pourquoi vous faites ça? Un policier qui agit de même ne mérite pas d'être dans le service. Toi, tu bouges pas d'ici jusqu'à temps que je te revienne. Shukran, docteur. إذا بتقلي ما عندكش حق تقولي بنتي ما تخرجيش من الدار طول النهار دي دومان جو تو رانفوا شي مون فرير انجيري بو كومبليتي تيز اتيود اما اختك نشوف معها في العشيه ما كاش كي سباس هي تحكي لك كل شيء Là, t'as vraiment dépassé les bornes. Que tu te mettes les pieds dans un plat, que ça te retombe sur le nez, ça me met en crisse. Mais que tu commettes des actes illégaux qui portent préjudice à toute la police, ça, je le prends pas. Je le prendrai jamais! Vous rendez-vous compte de ce que vous faites? Comment vous voulez qu'on soit solidaire de vous autres après ça? Je veux voir le directeur. Le directeur est pas disponible, monsieur. Ben, ça m'est égal. Je veux le voir à l'instant. Je viens de vous dire, monsieur, que le directeur est pas disponible. J'exige de voir le directeur. Moi aussi, je suis occupé, mais il faut que je le voie. Tout de suite. Mais non, il n'est pas question. Chaud, ma life. Je vais vous poursuivre. Oui, je vais vous poursuivre. C'est quoi de chérie, ça, Cosco? Vous êtes là, vous. C'est de votre faute. Vous avez monté mes filles contre moi. Moi qui vous avais aidé à innocenter Demers, votre partenaire. C'est ça, votre reconnaissance? C'est ça votre gratitude? Wow, wow, paniquez pas, monsieur. Oui, on se calme, là. Roche-toi dans moi d'abord. Mais ça ne se passera pas comme ça, cette affaire. C'est toute la police qui va écoper. Monsieur Aboukarim! Je ne crois pas qu'il soit avantageux, ni pour vous, ni pour la police, que cette affaire-là fasse la manchette des journaux. Et il y aurait lieu qu'on se parle sur un autre ton. Essayez-vous. Lâche-moi. C'est correct. Vous m'avez mis dans la merde, moi. Mais c'est rien comparé à ce que vous avez fait pour la petite. Avez-vous pensé une minute à ce que va être sa vie maintenant? S'il aurait tiré une balle en plein cœur, ça aurait pas été pire. Puis toi, je pensais que tu t'attaquais jamais aux enfants. Au contraire, on y a rendu service à ta petite Nawal. C'est la meilleure chose qui pouvait pas y arriver qu'à sortir de cette famille-là. Écoute-moi bien. Son père va la retourner dans son pays finir ses études. C'est ça qui va y arriver à la petite. Mais ça en fera une de moi pour nous faire chier avec ses problèmes. Tu m'écœures! Il n'y en a pas un, ça continue. Oslo, t'es suspendu. Je te préviens, si tu renvoies mes filles là-bas, ou même seulement Nawal, je pars avec elles. On la fera recoudre s'il le faut. Tu l'as eu, ta vengeance. Maintenant, pense à tes filles. Si même Leila nous a menti, on y est peut-être aussi pour quelque chose. Elle aura peut-être évité le pire à Nawal. Est-ce que tu penses qu'il me renverrait là-bas si j'étais un garçon? Alors, elle fait confiance à maman. Je veux pas y aller. Je sais pas ce que je vais faire là-bas. Je vais être malade. Je vais être malade. Tu
Les aimes-tu, tes filles? C'est pour elles que je suis venu m'établir ici. Alors, écrase ton orgueil et prouve-le! Va leur dire qu'elles peuvent rester. Oh non, c'est toi qui vas leur dire. S'il y a une prochaine fois, tu sais ce qui t'attend. De Nawal à la rigueur, je peux comprendre. Mais toi, comment puis-je encore te faire confiance? S'il me pardonne, il va te pardonner à toi aussi. Des coups durs dans une vie, tout le monde en a. C'est pas une raison pour tout abandonner, ça. Au contraire, il faut que tu rebondisses encore plus fort. Pour retomber de plus haut la prochaine fois, non merci. Écoute, Jasmine, t'as pas le choix. Après ta suspension, il va falloir que tu recommences à zéro. Que tu te refasses une crédibilité. Il va falloir que tu fonces. C'est ça, la job qui t'attend, si tu reprends l'uniforme. Je t'avertis, ça sera pas facile. Mais si t'es pas prête à le faire, démissionne. Change de carrière. Où est-ce qu'elle est, la Jasmine, que je pensais connaître? J'étais sûr que t'étais fière, que t'étais courageuse. Dis-moi pas que je me suis trompé, OK? Dis-moi pas que j'ai été un cave de te faire confiance, de penser que t'irais jusqu'au bout. Si tu savais comme ça fait mal. Jasmine, il y a juste un moyen de remonter la pente. J'en aurais pas la force. Hey. Je peux te donner un coup de main, moi. Je suis là, moi. Viens-tu venir avec moi en Méditerranée? C'est le paradis des bourgotes basanés. Ben oui, mais dis pas ça. Ça fait 2 mois qu'elle vit seule avec son Bouddha. Oh, avec le Bouddha, ça doit pas être tellement sensuel. Hein? Oh, ben, tu connais pas mon Bouddha, toi? Viens-tu avec un carnet d'adresses plein d'amour, moi? J'ai été une bonne petite fille. J'ai passé mon temps à dévorer toutes sortes de tactiques préventives, des tactiques policières. En tout cas, le poste 35 a eu la paix pendant 2 mois. À partir de demain, c'est fini. Check-moi bien aller. C'est plus pareil au poste depuis que t'es parti, hein. Les choses ont changé. Ça va être plus tough que tu penses. Ben, moi aussi, j'ai changé. En tout cas, t'es plus belle à voir que la dernière fois. Oh, c'est vrai. Tu nous as tellement manqué, hein, Corinne? Oui, on sait. Oui. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? J'espère que tes stages à l'étranger t'ont mis idées en place. Là, je t'avertis, hein? Au moindre faux pas, il n'y en aura plus de Damien pour te baquer. Et surtout pas de Louis Desroches. Est-ce que je me fais bien comprendre? Oui, monsieur. Tu vas faire une bonne job, comme ça t'auras pas de problème. Tony t'attend. Je te dis tout de suite qu'il y a des ordres très stricts te concernant. Merci. Ouais, je suis content que tu sois revenu, toi. Moi aussi. Tiens. Merci. Attention, hein. C'est la nouvelle star du poste. C'est une crise de bonne police, mais elle n'a pas changé d'idée. Elle a lié pas mal de monde de son bord. Ah oh ben, ah oh ben, ah oh ben. Ça fait plaisir de te revoir. Ça manquait de couleur. Ça m'étonne. T'as pourtant l'habitude d'être bien éclatante.
Je dirais un gros merci à Desroches. Hein. Sans lui, on n'aurait jamais eu la chance de travailler ensemble. C'est plutôt toi et ta chum que je devrais remercier. Sans vous, j'aurais jamais eu 2 mois de vacances. Essaye pas de faire ta smat. À ta place, je me checkerai. Il n'y a plus personne qui te trosse dans le pouce, Manon. En tout cas, on a tous trouvé ça bien dur, ton absence. Je te dis, j'ai quasiment envie de fêter. Tu me feras pas un bon café pour partir, là? 2 sucres, 2 laits. Ah, bien noir, moi, s'il vous plaît. Bienvenue. Hey, la chatte des vacances. All right, let's go. Say if he saw you working with a nigger. And why weren't you at home the night your parents died, Izzy? Ça va faire! T'as aucune chance, rends-toi! You might kill someone. Sors de là tout de suite pour faire rien. How often do you have to go down on Desroches to keep your job? Or can he even get it up for a black woman? Sister dying was your fault? She might have been ugly as sin, but she could fuck like an angel. When was the last time you got laid? And you just play with yourself? Okay, you bastards! Come and get me! You're shitting yourselves, aren't you? And here we have the frustrated lady. Talks a mean game, but can't score in the sheets, huh? Non, explode!